Nadi, kita umbang kaji. Mada badai, baru cuma mada badai. Nadi, azuci ana ya fara kar karo. Inda badai, aran dapat dapat kuat di kai. So hongkira ini. Tashin mu ina da shekara 16 da bukwai abinda yake ana shuru to lokacin da an ka tashi ga kaka shi samurai ya balaga shina da ƙarfi shina son soro bai da wani aiki sai soro sai shi shiga daji tun da jijjibi shi sabko bai yi ma kowa magana ba shi dai bowon ga icce shi dai bowon ga sai shi dai bowon ga kunnin icce daka shi daka in yadda ka ko da lokacin wasa kai sa'annan zuciyar tanta sake ta koma da yaji busa zuciya sai ta kan makarkarwa amma yanzu shi soro na da babu shi yanzu biyar shiga na akai kamar bisar ka tabace sai ka koma shiga to soro yanzu gado na amma muna son mu hillani soro don dan bahilla ce bai da kuri sai soro in babu soro ya zam arne lokacin da mun ka tashi cikin tarihin da mun ka je na shoro a kakannin ne mu sun ka ce da shoro a kan jilo suka dauko sai ana yaba ga gaba ana buka bisa kan jilo ana yi haka nan ana yi haka nan hal an ka kai ga wani wanda ya ce gaskiya wanga kan jilo da aka sa ana watsa majan mata yan kallo bai yi ba duk wanda azzarumi sai ya dar mozane da kaina sai ya hito hili yace yau babu tancin kanjilo to an ka buge shi wannan daggare shi ba a koma sa kanjilo ba to kuma ga lokacin nan sanda uku na akai babu zancen na san ka ko ka san ne babu zancen mushiriya kowa bakin ƙarhi na yana shiga zuwa shi gudi shi buga akwai wani an buge shi sai ya fadi wani a buge shi jini na zuba kuma yana kuwa kamar ba ga jikin shi aka bugo sanda uku din nan duk wanda an ga in baka dauki uku din nan sai a ce ka kasa dada an dauke ka can rago kake kai gobe ko ina ka zo kai kai abin hade wani ko da rike shi akai sai dai yan uwan shi ba su fata shi tai da sannan nan ko ya fadi ya taso sai a ce a rike shi aka a idda sa lokacin da an ka fara sharu sharu ta maza ta maza waɗanda a tsantacci ko can farkon fara ta sai an samu maza waɗanda a tsantacci waɗanda sun haka gagga zaruma ko wani ya ce ga tashi wasa sai yallani sun ka ce to ko mu akwai mu da mabusa waɗanda
kai mana busa adibi zaro mai cikin mu to sa'ad da wato sun ka tashi sai an ka fara busa da karan abinga ledai wuce ledai aka busa da abusa ta girma sai an ka bi karan dawa dan an ka bi karan dawa ana yi an ka ga haidadi to sai an ka sage da yi da karan dawa da mu dai ga uwa mu mun ka gadi busa yanzu ta kai gare mu mu ka mun ka rika de la présente manifestation est en elle-même un grand succès si l'on sait toutes les procédures administratives et toutes les appréhensions auxquelles nous avons dû faire face avant de voir ce jour tant attendu où nos frères et amis éleveurs peuples venus pour certains de très loin vont enfin inaugurer la deuxième fête d'envergure nationale du Choro. Il s'agit certes
d'un sport traditionnel qui relève du pouvoir mystique, du culte de l'esthétique, de poèmes, c'est-à-dire l'ekirai, et de la bravoure, qui malheureusement a été jusqu'ici abandonné à son sort, alors même que d'autres jeux traditionnels sont à leur 1e édition et sont déjà à leur stade de modernisation, de popularisation comme la lutte, de nationalisation et même d'internalisation. La présente édition est donc la preuve éloquente que nous n'avons pas le droit de laisser dépérir le moindre point de la culture nigérienne. Car pour nous, la culture en général constitue la colonne vertébrale de toute nation. Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, mesdames, messieurs, la cérémonie qui nous réunit revêt une signification toute particulière, si l'on sait qu'elle intervient à un moment où le gouvernement s'est fixé comme axe prioritaire de sa politique la réhabilitation et la valorisation de nos cultures traditionnelles en voie de disparition. La coexistence pacifique entre vous est indispensable et est gage de la sécurité, voire du développement à cette seconde édition de Charo. Pourquoi ne pas réfléchir sur une éventuelle démarche tendant à pérenniser notre Charo? Pourquoi ne pas mettre en place un comité scientifique composé de pratiquants de Charo, de juristes, de médecins, afin que, tout comme la lutte traditionnelle, la boxe, le karaté, notre Charo puisse être pratiqué, enseigné, vulgarisé en tant qu'apport à la culture de l'humanité. La création de ces cadres normatifs permettra de réglementer ces droits culturels et contribuera sûrement à son rayonnement au plan régional et international. Sur ce propos, je souhaite bonne fête aux festivaliers dans la concorde et la fraternité. Que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement pour votre présence massive à la 2e édition du Festival de Concorde et la Cohésion sociale qu'organise le collectif pour la défense du droit à l'énergie en partenariat avec le programme d'appui à la société civile financé par le 10e Fonds européen de développement. Cette mobilisation sans précédent illustre l'engagement des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, à promouvoir et consolider la concorde et la cohésion sociale à travers la culture afin de contribuer au développement de notre pays et réduire ainsi la pauvreté. C'est dire que le Charo, pratique ancestrale du comité peuple de notre pays, est un événement social, culturel et festif important, fruit d'une histoire multiséculaire. À ce titre, il incombe à tous, pouvoir public,
comme promoteur privé ou autre personne de bonne volonté, œuvrer pour sa promotion et sa pérennisation. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans témoigner l'expression de ma profonde gratitude à la loi de M. Moustapha Kadhi, promoteur du Pécos, qui s'attelle avec fermeté et constance à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ces défis majeurs. C'est sur cette note de reconnaissance que je déclare lancer les activités marquant la deuxième édition du Festival de la Concorde et de la Position sociale. Vive le patrimoine culturel nigérien, que la fête soit belle, vive le Niger et de suna da shine da suna Masamar wuta ce suke hasawa suna kewayen wuta da sanduna wangana buguwa wanga wangana buguwa wanga da wasu mindi kaman mindiri haka suna buga shi da hannu ana kiran shi Masamar saboda asali hidda ne ce to to suka koma wannan har ya tsallako ya zo nan gare mu ya zan al'azu su Ethiopia ya shigo ya su Habasha ya kawo nan gare mu ya zo muna kusan al'ada da an ka fara shi lokacin nan in za a bugu mutum sai a zane ake jikawa sai a tumka shi a dar mamai shi nan ga ga a waza inda aka bugu shi sai a buga bisa zane makar da magani Allahu akbar Maryam Allah
sallah goshin malam icce goshin kato ko me girma nai gabas da yamma dari dama da hauni da bisa english habisa na ja hakke taren kuwar bakin gulbi mo dani ke bingu buda man ko cikin kuwar sai an danne dari am yaro daga nin jiwa daji ya san bara gumin gidan uba nai na ba bari in baka ja karakiya maza wa an danne dade ina koran kosan kashin karhin su mayan ko jongo min ga maza irin makabri bandu jikina kera wanda ban iya manciya shine da dama don ka san abinda abba ka manci inda ka sha wuya duk ba ka manci shine ka kaji mu ɗan shar mun ce ma muna faɗin mu ce yaro an ce ma bari kakki a baba ta ce ma akwai inda ni sha wuya to akwai inda an ka bugan hannu harin jini ba son ta nan cikin Najeriya iske shi ne a moyin kamar yabuwa ni kama shi farko an ka hana an ka wayi sahiya ni dawo ni kama shi an ka hana ba biyu ba sai ni je can sai an ka ce ba wannan na ba ƙarya ta tsoro ne na mu kai sai mun ka taho mai mu biyu sai ni iske shi da farko iso wa musallama mu da mun kai ma kowa godiya mun ka ce to ko hana mu buga da shi ya kashi arme uwa ta ya uba ne ka ga nan ta baci ita ta muka cewa ta baci an ka ce to shikenan ai an taba mutu a wurin shar kuma komai ba ai kani ta ni dar mu to daga bugun farko inda ya buga sai kalle mi a waza guda tana na sai ta koma ciki in ni kuwa sai in ji wasu sun ce min hade kenan jini sai wasu su ce min tussuwa haka nan dai wanda haka jin nan tutun nan da majina sai mun karbo da ket da yanzu ku sai ku yi dibin duk mai walki shoro na a sai na soka in ban soka ba mu ka gane kuma sharo shina da layi akwai wa akwai kane don ina wanka don ka girma baka kama ne mu ka ji inda sharo ya bambanta da ku ko kowa ko in karhin ka kai kowa kana yi da shi amma sharo shina biyayya sai dai in ka san ni wanka na ka ketaran kai da wasu can wari na wa anda ba su san ne ba sai kai da su can to in ni kuma mai hankali na ni gane ka cin maurin da nake in ni gaba ta sai in bari me don't get up.
Ana yin dan sharon nan kadan kadan an bar mu ana yi kuma an kai sai aje an ci an yi fada in an kai sai a ce wani ya buge wani ya kashe shi ya kada shi kuma an karuhe duk gaba daya to sai yanzu kuma ubangiji Allah ya sa wanga bawan Allah Mustafa Kadi ya tuna da wannan al'amari ana iya mishi kuskure ma wanda ana yin shi insha Allah ba a samu matsala to sai in ce ga halin yanzu mu dai gare mu hillan dubba hillaci inda shike duniya wannan wasan ta sami karbuwa bisa ga yansa abu gisar mai bai kwana nishi bai taya shan magani lahiya kalau jikin shi lahiya kuma an ba da shawa yanzu na aka sharon na shawa farko ba sharon shawa bane ba wasa bace fitina ce tunda in zaka tahiya kamar mutumin nan ya taba maka wani laifi shi ku abin ga wasa ce to yanzu kam mun shiga cikin lokaci canjin ga na lokaci gaskiya mu ya sami karbuwa gare mu 100% ko mun yi maraba da shi kuma mun ji dadin da anka kawo wanga canji pour le peuple de bonheur on donne un bateau ba kamata ba duk duniya ta canza kasance bumbu canza muna cikin duniya yau ko cikin daji kana da radio kana da salula kana ji abin da ake yi kuma kana kallon abin da ake yi da abin da an ka dauke mu mahauka da an ga wurin wasan mu bibi akai mutun shi tore ne to kaga kenan ba mu ci gaba kenan bai dace ba daga wasa abin zai zama maka muharir shi laya duk yawancin tsohin yan sharon nan yau wanda ka tuntuba ba shi ya gudu hice meter 10 don da ya ci meter 10 sai tuari saboda jama an tattake mai awazu akwai wanda awazun sun kare kaga kenan an sami wanga canji alhamdulillah Mesdames et messieurs, à la lumière des résultats obtenus, je me réjouis de relever au cours de ce rendez-vous la pratique du charo a gardé toute son authenticité, c'est-à-dire qu'elle s'est tenue dans la fraternité et le respect mutuel. L'exercice auquel les compétiteurs ont été soumis trois jours durant a été d'une grande utilité pour la compréhension et la pratique du charo au Niger et le rôle de la culture dans l'épanouissement social. Les recommandations fortes ayant sanctionné la rencontre, à savoir l'institutionnalisation du FECOS, l'organisation d'un concours ouvert aux jeunes écoliers à l'occasion des prochaines éditions, la décoration des acteurs de la culture lors de l'organisation du FECOS, occuperont à n'en point douter une place de choix dans l'agenda des autorités de la 7e République. Vive le patrimoine culturel nigérien, vive le Niger et je vous remercie de vous.